Bonjour, alors je vais vous montrer un petit tour qui est décrit dans le Very Best Of de Kabbalah, et c'est un petit tour de, enfin un petit tour, un très beau tour d'ailleurs, de John Brother Hammam. Je vous le montre tout de suite. Ça se fait avec 8 cartes, ça se fait avec 4 As et 4 Rois. Juste 8 cartes, ok? Rien d'autre. Les 4 As et les 4 Rois, je vous les remontre, donc il y en a qui préfèrent les As, il y en a qui préfèrent les Rois. Moi je préfère les Rois. Le roi de carreau, le roi de trèfle, le roi de cœur et le roi de pique. Les quatre rois ici, les quatre as, juste là. Suivez bien, les rois, les as. Si je prends magiquement un as comme ça, que je le mets ici et que j'en prends un deuxième, et que je fais pareil avec les rois, ben on ne les voit pas passer, mais pourtant, ils changent. Et je vous le prouve, j'ai bien dans mes rois les deux as qui sont passés, et j'ai bien dans mes as, les deux rois rouges qui sont passés. Ça va vite, hein? Je vais vous le refaire une deuxième fois. Regardez bien, je prends juste un as et je le mets là. Et forcément, je prends un roi et je le mets ici. Et si on attend un petit peu et qu'on regarde, j'ai bien mes trois as qui sont passés. Et j'ai bien mes trois rois qui sont passés. Ça va extrêmement vite. Je vais vous le faire une troisième fois. Juste comme ça. Une. Et la deuxième. Une petite pichenette. Vous avez vu bouger? Un peu, oui. Ouais, bah c'est que vous êtes plus fou que moi. Mais pourtant, c'est passé parce que si on regarde, j'ai effectivement maintenant mes quatre as. Et ici, j'ai tous mes quatre rois. Mais on peut faire plus fort que ça. Mes quatre rois maintenant et mes quatre as ici qui ont voyagé. Ce qui est assez étonnant, c'est que si je prends donc les cartes qu'ils ont voyagé, ce qui est assez fou, c'est que si on change comme ça, alors on pourrait changer les paquets ou on pourrait changer les cartes, mais si on change comme ça les cartes, que j'intervertis les cartes, si on attend un petit peu, on a l'impression que les cartes en fait suivent leur chef. C'est fou, hein? Si je fais encore plus fort, que j'intervertis comme ça les deux paquets, si on attend un petit peu, les cartes suivent leur chef. Et pour la dernière, mais juste en les frottant, encore une fois, les cartes suivent leur chef. Bizarre, hein? Tout ça avec 4 rois et 4 as. Pas de roughing. Pas de roughing fluide, pas de cartes truquées. Pas de cartes en plus. Juste de la petite manipulation. Et voici un beau tour de John Brother Hammam.